Salut les gogol Istanbul et polonais, c'est le troll arts. Je laisse place à la vidéo, me cassez pas les couilles, tout est en description. Commençons par le pause-bloc. Le pause-bloc est une méthode qui vous permettra, comme vous pouvez le voir, d'éviter efficacement les joueurs facilitant la fuite et vous permettant de gagner du temps lorsque vous êtes en état de nuire. Passons au Coleman. Cette technique, qui porte le nom de son créateur dû à sa façon de faire ses ponts en rush, elle consiste à monter en posant des blocs très rapidement en jitter-click de telle façon à éviter toutes les flèches en match contre des campeurs. Attention, cette technique est très risquée. La chaîne du créateur est Coleman le Grand pour les intéressés à stab pub discrète. Passons au troisième et dernier point, le sneak des sneaks. Cette méthode consiste à déniquer à certains moments quand vous faites le pont pour aller à une base, ou au mid, vous faisant aller plus rapidement. Pour ceux qui n'y arrivent pas, tout est vraiment une question de timing. Ayant peu de skill pour cette technique, je vous mets la vidéo de quelqu'un qui en a deux fois plus que moi, bien sûr tout est dans la description. Je vous explique pas les baies, vous faites juste un pont en altitude assez haut pour qu'on ne vous voit pas, bande de victimes. Arrivé en haut de la base ennemie munie d'un saut, mettez de l'eau vous permettant ainsi de ne pas prendre de dégâts. Toujours avec le bridge en l'air, mais cette fois demandant du timing muni d'un minecart, poussez le minecart et sautez quelques secondes après, pour pouvoir y rentrer. Pour ce dernier point, il vous suffit de chercher une partie de votre base où vous pouvez poser un bloc sur l'une des tours sous votre base et rusher tranquillement vers la base ennemie. Assurez-vous d'avoir assez de blocs, signe de précaution, faites-vous un échappatoire, ou spoilez votre adversaire si vous avez l'âme d'un fils de pute avec vous.
Passons au premier point. La collision, alors cette technique se fait grâce à 10 pistons collants, 15 redstone et 5 leviers. Je l'ai connue il y a longtemps depuis, on peut dire qu'elle est morte en poule, mais je vous la montre quand même pour voir ce que vous en ferez. À la fin vous aurez à peu près ça, alors là la question que tout le monde se pose, putain à quoi ça sert? Eh bah comme vous venez de le voir, cette technique peut pousser votre adversaire et ainsi le faire tomber dans le vide. Pour bien réaliser cette technique il faut être un maître timing, à vous de la customiser et de m'envoyer vos screens ou vos idées en commentaire. Ce point est plus une suggestion qu'une technique ou une pratique à part entière, alors je m'explique. Normalement Tao et nous possédons ou faisons le plus souvent des pioches et des épées, alors pour du bois où nous n'avons pas fait les outils il est plus difficile pour l'adversaire de détruire le bois, plutôt que pour détruire une autre structure avec l'outil demandé, donc la pioche, elle s'accompagne avec la destruction des escaliers avec de la TNT, chose que j'ai oublié de tourner. Passons au dernier point, cette technique à laquelle je m'affectionne particulièrement étant digne d'un fils de pute tel que moi, cette technique consiste à bombarder votre piscine de toiles d'araignée bloquant l'adversaire. Valait rien que la gueule, ça donne pas envie de la traverser, vous allez sûrement me dire, et s'ils ont une épée? Je vous répondrai, le KB a stab toi-même tu sais. Il faut approximativement 30 secondes pour traverser toutes ces toiles d'araignée, soit infiniment moins que ce que la plupart des gens peuvent penser. Enfin c'est en traversant ces toiles d'araignée, en courant sans sauter. Cette partie sera très courte, car depuis la plupart des bugs ont été réglés en Tao et nous avons la méthode avec elle, Enderperle, qui est plus un brain qu'un bug, mais je l'ai mis ici pour respecter mon schéma. Le seul vrai bug on va dire c'est le bug du mort-vivant. Alors si l'on vous tue juste au moment où vous allez marquer un point vous jouez mais en étant mort, c'est assez drôle comme bug et en plus vous marquez 2 points d'affilée. Vous êtes un troll né, alors ces techniques sont faites pour vous. À savoir, j'aurais pu passer des heures à trouver des autres techniques, rien que pour vous, mais je me suis limité à mon schéma, et de toute façon je ferai une autre vidéo, concernant les techniques de FDP. Commençons par ce petit spokil juste indéviable, qui fera bien rager votre adversaire, et terminons par un petit spambo sophistiqué des familles comme on les aime. Attention, la première technique n'est plus utilisable sur la plupart des serveurs, car la destruction du spawn est bloquée et la deuxième peut vous faire valable d'un banc. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, j'y ai pas torp insisté sur les méthodes de FDP, car j'y en ferai une vidéo à part entière. Toi, oui toi qui me regardes, toi aussi trouve des bugs et des techniques de FDP, et partage les nounous la communauté des trollers. Abonne-toi fils de pute.